Nous allons parler d'un drame qui s'est déroulé le jour de la Saint-Valentin. En temps normal, la Saint-Valentin tire ses origines de fêtes romaines et chrétiennes. C'est une journée où les amoureux expriment leurs sentiments à travers des cartes, des dîners romantiques ou des attentions particulières. Toutefois, le 14 février 2020, Amy a vécu l'opposé de ce que représente cette journée. Ce jour-là, elle a été brutalement assassinée par son ex-compagnon, transformant cette célébration de l'amour en drame violent. Pour Amy, la Saint-Valentin est devenue le symbole d'une fin tragique marquant la fin de sa vie, dédiée à aider les autres à comprendre et à surmonter les abus relationnels. L'histoire d'Amy Hardwick, ancienne playmate devenue thérapeute et sexologue, résonne profondément dans notre société car elle soulève des questions fondamentales sur la nature humaine. Comment une personne dédiée à la guérison peut-elle devenir la cible d'une telle tragédie? Comment une relation toxique que l'on pense derrière soi peut-elle revenir hanter nos vies des années après? Cette histoire nous conduit à réfléchir sur les zones d'ombre des relations humaines et la capacité destructrice de certains individus. Aujourd'hui, on va se rendre à Beverly Hills et aborder l'histoire d'Amy Hardwick, qui est née le 20 mai 1981 à Sellersville, en Pennsylvanie. Alors qu'elle avait été abandonnée à sa naissance, elle a été adoptée et élevée par un couple aimant nommé Tommy et Penny Hardwick. Ils voulaient tellement un enfant qu'ils ont comblé Amy et elle n'a manqué de rien. Amy était une fille très sensible et tournée vers les autres, elle aimait consoler les autres et ne supportait pas de voir qui que ce soit pleurer. Elle était altruiste. Ses proches la décrivent comme étant une femme intelligente, généreuse et incroyablement motivée. Elle était fascinée par les relations humaines, les interactions émotionnelles et sexuelles entre les individus. Elle a grandi avec une curiosité intense pour les dynamiques psychologiques. C'est cette curiosité, associée à une grande empathie, qui l'a poussée à choisir une carrière où elle pouvait aider les autres qui souffraient d'abus émotionnels et physiques. Amy intègre la prestigieuse université Pepperdine, une institution de premier plan dans son domaine. Pour financer ses études, elle a commencé à multiplier les emplois dans des bars, des restaurants, et elle a commencé à danser et a été repérée par Playboy. De plus en plus de personnes se déplaçaient au manoir Playboy juste pour assister à ses animations. Tous ces emplois ne l'ont pas détournée de son objectif puisqu'elle finit par obtenir son diplôme en psychologie clinique. Elle finit par être thérapeute. Ce qui l'a distinguée était sa détermination à aider ses patients à surmonter les traumatismes, particulièrement ceux liés à des relations abusives. Tout au long de sa carrière, elle a mené des conférences et des ateliers sur l'importance des relations saines et elle a régulièrement participé à des émissions de télévision pour partager son expertise. Elle était une véritable voix pour les victimes de violences et de traumatismes, prônant sans cesse la protection des plus vulnérables. Elle était connue comme étant la thérapeute des stars et comptait de nombreuses personnalités parmi ses patients, ce qui contribue à sa notoriété grandissante. Au-delà de sa passion pour son métier, elle avait un côté gothique. Elle aimait les films d'horreur et sortait toujours avec le même genre d'hommes troubles comme Marilyn Manson ou encore Dave Navarro qui était le guitariste connu des Red Hot Chili Peppers ou encore jury pour Ink Master, une émission où les tatoueurs sont en compétition. Elle avait une passion pour le true crime et avait même acheté la robe dramatique de Sharon Tate, actrice américaine montante et épouse du réalisateur Roman Polanski qui avait été tragiquement assassiné le 9 août 1969 à l'âge de 26 ans alors qu'elle était enceinte de 8 mois par des membres de la famille Manson, une secte dirigée par Charles Manson. Ce meurtre ainsi que d'autres perpétrés par la secte avaient choqué le monde et symbolisé la violence et la folie des années 1960. Le 1er août 2014, Amy a écrit un livre intitulé « The New Sex Bible for Women » qui a contribué à sa notoriété en tant qu'experte en sexualité et en relations. En 2017, pour augmenter sa notoriété, elle ouvre sa propre chaîne YouTube. Cette même année, le nom d'Amy Hardwick a pris de l'importance dans les médias lorsque sa relation avec l'animateur de télévision Drew Carey est devenue publique. Drew, célèbre pour son rôle d'animateur dans The Price is Right, est tombé amoureux d'Amy en 2017. Leur relation semble être une belle histoire d'amour. Drew était fou amoureux d'elle, il avait même convié Amy dans son émission. C'était un couple respecté et admiré. Ils s'étaient fiancés et Drew avait même demandé sa main. Mais, malgré l'apparence d'une relation harmonieuse, et pour des raisons qu'ils n'ont jamais voulu dévoiler, Drew et Amy se sont séparés en 2018, tout en restant amis. Beaucoup ont pensé que la différence d'âge les a rendus incompatibles. Amy se noie alors dans le travail et se consacre à sa carrière professionnelle. La nuit du 14 février 2020 fut une journée chargée pour Amy. Elle donne rendez-vous à une amie qui lui rend visite à son domicile. Le temps étant ensoleillé, elle décide de faire une balade puis se rend dans un restaurant connu nommé le Beechwood. Elle voulait passer cette soirée de Saint-Valentin qu'entre copines. Dans la soirée, elle se rend à une représentation. Elle en profitera pour se confier à ses copines pour leur dire qu'elle se sent bien dans sa vie et épanouie. Vers les alentours de minuit 30, elle décide de regagner son domicile.
Amy ne vivait pas seule, mais avec un ami nommé Michael Herman. À son arrivée à la maison, Michael dormait déjà. Pour ne pas le réveiller, elle se fait discrète et regagne sa chambre. 30 minutes plus tard, Michael se réveille en sursaut. Il entend des hurlements qui proviennent de la chambre d'Amy. Il est en panique et de peur n'ose pas se rendre dans la chambre d'Amy. Il tente de mettre la main sur son téléphone afin de joindre le 911, mais ne le trouve nulle part. Entre-temps, les hurlements ont cessé et il entend un bruit sourd qui provient de l'extérieur de la maison, comme si quelque chose avait été lancé du balcon d'Amy qui se situe au premier étage. Il crie de toutes ses forces pour faire fuir l'agresseur et escalade une clôture pour se rendre chez les voisins. Il toque à leur porte et ils lui ouvrent. Il contacte alors immédiatement le 911 et leur dit qu'Amy se trouve dans la maison et qu'il est certain que l'agresseur n'est plus sur les lieux. La police arrive et en contournant la maison, ils constatent que le corps d'Amy se trouve sur le sol, sous son balcon. A priori, le bruit sourd qu'avait entendu Michael provenant de l'extérieur était le corps d'Amy qui avait été jeté depuis son balcon. La police comprend tout de suite qu'Amy n'a pas sauté d'initiative mais qu'elle a été poussée par quelqu'un car elle porte des traces de strangulation sur le cou et des blessures de défense sur tout son corps. Amy était encore consciente mais son pronostic vital était engagé. Elle est directement transportée à l'hôpital. En parallèle, la police fait le tour du logement et constate que la baie vitrée qui conduit au balcon est ouverte et qu'elle est recouverte de sang. La chambre entière était tachée du sang d'Amy. Le soir du drame, Amy portait un chapelet et il a été retrouvé cassé avec l'ensemble des perles dispersées sur le sol, comme si quelqu'un l'avait saisi. Sans compter une seringue qui contenait un liquide jaune qui laissait penser à de l'héroïne, mais Amy était connue pour être clean dans le milieu. Elle n'a jamais touché aux stupéfiants. Cette seringue a été envoyée directement à un laboratoire pour analyse et a démontré qu'il s'agissait de nicotine. Une fois injectée dans le corps, la nicotine pure devient mortelle. Michael a été accompagné au commissariat pour y être interrogé. Il racontera de nouveau qu'il a passé cette journée à la maison à regarder la télévision, qu'il s'est endormi sur le canapé et qu'il a été réveillé dans la nuit par un bruit de fracas. Qu'il a pensé qu'Amy avait tout simplement cassé une assiette par mégarde et qu'il décide alors d'en profiter pour se lever du canapé et terminer sa nuit dans sa chambre jusqu'au fameux moment où il est de nouveau éveillé par les cris d'Amy. Les enquêteurs s'attardent ensuite sur les caméras présentes dans le domicile d'Amy. Une première caméra est présente à l'entrée de la maison. Quelque temps avant le drame, pendant que Michael dormait sur le canapé avant qu'il ne soit réveillé pour la première fois par le bruit, on voit un individu se déplacer à l'extérieur du domicile. Celui-ci semblait connaître les lieux et l'emplacement de la caméra car il met la main directement sur la caméra extérieure, puis la recouvre pour empêcher qu'elle ne le filme. La caméra continue toutefois à enregistrer le son et on entend le fameux fracas dont parlait Michael. Le bruit qu'on entend est le bruit d'une fenêtre brisée. La personne entre ensuite dans le domicile afin de se planquer avant le retour d'Amy. La caméra filme une dernière fois une personne fuyant le domicile d'Amy après les cris. L'enquête suit son cours. Amy ne s'en remettra pas et décédera des suites de ses blessures. L'affaire passe alors d'homicide volontaire à un assassinat. Tous les proches d'Amy sont interrogés pour savoir si une personne aurait la capacité de le faire. Un prénom revient alors régulièrement. On revient quelques années en arrière. Alors qu'Amy est célibataire, elle fait la rencontre d'un photographe nommé Garrett Purcehouse. Il est né le 30 novembre 1977 en Californie et a fait des études pour être ingénieur. Il s'ennuie et décide alors de s'orienter vers la comédie, puis humoriste dans l'humour noir, mais très vite incompris, il s'orientera vers la photographie. Ses connaissances disent de lui qu'il mimait les gens qu'il côtoyait. Si vous aviez des passions, il disait qu'il avait les mêmes pour créer des points communs. Il avait fait la même chose avec Amy et cela les a rapprochés. En début de relation, Garrett était très apprécié des proches d'Amy, mais très vite il remarque qu'il était obsédé par elle. Amy finit par le trouver contrôlant et oppressant et envisage alors de le quitter. Garrett a commencé à être hystérique et dépressif. Amy décide alors de rester dans sa vie en ami pour l'aider à dépasser cette épreuve. Mais il était de plus en plus oppressant. Après quelques semaines, Amy se rend à la police pour faire une demande de mesure d'éloignement contre Garrett pour qu'il ne l'approche plus. Elle dira à la police que Garrett l'a poussé, étranglé et a même frappé sa tête contre le mur et qu'il l'a frappé à plusieurs reprises. Quand Garrett a compris qu'Amy ne lui accorderait plus aucune interaction, il a eu une phase où il a intenté à sa vie sans succès, puis il a commencé à faire le stalker en envoyant des emails aux amis d'Amy pour la dénigrer et leur dire qu'Amy n'était amie avec eux que par intérêt. Personne n'a donné du crédit à ses propos car Amy les avait prévenus de son côté dérangé. Ils l'ont tous bloqué et ont eu peur pour Amy.
Gareth ne s'est pas arrêté là, il a commencé à se rendre chez Amy durant son absence et à son retour, elle retrouvait son lit défait. On lui avait même volé des éléments dont elle avait le plus besoin, à savoir son téléphone et son PC. Amy avait dit à ses amis qu'elle savait que c'était Gareth car un vrai voleur lui aurait pris les éléments les plus onéreux toujours présents à son domicile. La police est avertie mais sans preuve, Gareth n'est pas inquiété. Amy, se sentant de plus en plus en danger, demande alors à ce moment-là à son ami Michael de venir habiter chez elle pour qu'elle ne soit pas seule en cas d'intrusion. Le temps passe, alors qu'Amy et Gareth assistaient tous deux à une soirée de remise de prix dans le milieu de la pornographie. Il était photographe pour l'événement et elle était invitée. Gareth croise Amy et commence à lui hurler dessus devant tout le monde qu'elle lui a pourri sa vie et il en devient hystérique à un regard noir. Amy, mal à l'aise, demande alors s'ils peuvent s'entretenir ensemble pour apaiser les tensions. À l'issue, elle comprend qu'il est malade et envoie un message à ses amis en disant que s'il lui arrivait quoi que ce soit, c'était Gareth. Elle appelle ensuite ses parents et leur dit que si elle décède, elle aimerait que son cercueil soit ouvert. Amy vit dans la peur sans cesse que Gareth tente quelque chose. Elle envisage d'installer les caméras, une alarme et elle commande du gaz lacrymogène pour être prête le jour où Gareth reviendrait. Arrive ce fameux jour de la Saint-Valentin où Gareth s'est introduit dans son domicile et commet l'irréparable. Pour revenir à notre enquête, après le drame, la police fait des relevés d'empreintes et retrouve de l'ADN dans la chambre et sous les ongles d'Amy. Après étude, il apparaît que l'ADN est bien celui de Gareth. Une femme que côtoyait Gareth a été interrogée et dira par la suite que le jour du drame, il apparaissait froid et pensif et que des griffures étaient apparentes sur son visage, bras et cou. Elle n'a pas osé lui demander la provenance. Le jour du drame, en sortant de chez sa compagne, Gareth est interpellé par la police. Il est envoyé au commissariat et le logement est perquisitionné. De nombreuses seringues contenant de la nicotine sont retrouvées, ressemblant à celles laissées chez Amy le jour du drame. Avec le Covid, son procès prend du temps. Gareth est alors âgé de 41 ans. Il n'avouera jamais les faits. Il racontera même que c'est Amy qui l'a invité à venir chez elle ce jour-là, que la seringue qui l'a emmenée lui était destinée à lui car il souhaitait sauter la vie. Sa version n'a aucun sens, car si Amy l'avait invité, il n'aurait pas eu à casser la vitre de la porte pour entrer par effraction dans le domicile, 3 heures avant l'arrivée d'Amy. Et surtout, pourquoi a-t-il emporté des gants et qu'Amy a une trace de strangulation sur son cou. Il ira jusqu'à dire qu'après leur discussion, que c'était Amy qui a de son propre chef sauté depuis le balcon. Gareth Purcehouse, l'ex-compagnon d'Amy Hardwick, a été reconnu coupable de meurtre et a été condamné à la prison à vie. La tragique histoire d'Amy Hardwick est un douloureux rappel de la complexité des relations humaines et des ténèbres qui peuvent les habiter. Ce drame, survenu un jour censé célébrer l'amour, illustre comment des liens peuvent se transformer en chaînes destructrices, rappelant que derrière des façades brillantes se cachent parfois des vérités obscures. Amy, bien qu'altruiste et dévouée à la guérison des autres, a été victime d'un cycle de violence dont elle a tenté de s'échapper. Sa mort tragique met en lumière les dangers des relations toxiques et la difficulté de rompre ces cycles, même lorsque l'on possède les outils pour les comprendre. Cela nous incite à réfléchir sur notre responsabilité collective envers les victimes de violences et sur l'importance d'écouter et de soutenir ceux qui expriment des craintes. En fin de compte, cette histoire est un appel à l'empathie et à la vigilance. Elle nous pousse à nous interroger sur la nature humaine, à reconnaître notre capacité à la compassion tout autant qu'à la destruction. Il est essentiel de créer des espaces sûrs où chacun peut partager ses expériences et où la prévention des abus relationnels devient une priorité afin que des tragédies comme celle d'Amy ne se reproduisent plus.